comme vous le voyez, je ne suis pas du tout dans mon état naturel. Je me sens vraiment... j'ai envie de rien, je sais même pas ce qui va pas. Du coup, je pense que c'est hormonal, hein, clairement. Et donc, l'objectif de cette vidéo qui va changer un petit peu de d'habitude, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester dans cet état tout au long de la vidéo. Ceci n'est que temporaire. Je vais m'auto-mettre un coup de pied aux fesses pour que les choses rentrent dans l'ordre et que je redevienne moi-même. Et je sais que d'ici 30 minutes, je ne ressemblerai plus à cette loque, ombre de moi-même, puisque ma première étape sera tout simplement de physiquement me remettre en accord avec qui je suis. Je n'ai mais aucune idée de ce qu'a donné cette introduction, donc si jamais elle vous déprime, ne vous inquiétez pas, le reste de la vidéo sera bien meilleur, enfin en tout cas je l'espère puisque c'est mon objectif personnel. Même mes sourcils font la gueule. Ok, donc je sors de la douche, je me suis pas lavé les cheveux parce qu'ils étaient pas sales. Je me suis habillée, là il faut vraiment que je me fasse les soins du visage, que je me maquille et que je fasse mes ongles. Autant vous dire, d'ailleurs vous les voyez, que c'est absolument... ça me ressemble pas. D'habitude j'ai toujours les ongles propres, pas forcément faits mais au moins propres, sans résidus de vernis écaillé. Voilà, donc là ça va être une étape importante de ma routine de ce matin. Et puis une fois que ça sera fait, bah, je ressemblerai déjà un peu plus à moi-même. Et je sens déjà que ça m'a fait du bien là, de me bouger les fesses et de me dire, enfin de me mettre en fait dans l'état d'esprit que j'allais faire quelque chose aujourd'hui pour moi et pour que je me sente mieux. Donc c'est cool. Là je ramène mes cheveux en arrière après avoir mis un petit peu d'aloe vera dessus pour les réhydrater. Vous aurez remarqué que j'ai choisi un t-shirt Serre-d'Aigle. Bon voilà, je trouve que déjà j'ai meilleure mine, j'ai pas fait grand chose, hein. Je me suis mis un petit peu de gel dans les sourcils, j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai pas mis ni de fond de teint ni de correcteur, j'ai hydraté juste mes lèvres et j'ai mis un petit coup de crème teintée, la même couleur sur mes lèvres et sur mes joues, et mascara. C'est déjà nettement mieux, je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même. J'ai fait vite fait mes ongles aussi, donc ça m'a pas pris beaucoup de temps hein, en vrai. J'avais vraiment les ongles qui étaient tout dégueux. Je me sens prête à affronter la journée. Donc voilà le contenu du colis que j'ai reçu. Super cool. Alors je savais que j'allais le recevoir puisqu'on m'avait proposé de travailler avec Propolis d'Abacharis, qui est la marque. Ça me tentait bien, j'ai toujours été curieuse de tester justement des produits à base de propolis. On en entend souvent parler comme étant un ingrédient hyper bon pour la santé, etc. Mais si je pouvais avoir des informations scientifiques, des retours de résultats, et puis tester les produits, c'est encore mieux. À l'intérieur, ils m'ont mis des petits cadeaux en plus, donc j'ai un petit pot de miel. Et il y a aussi ceci, et c'est un hôtel à insectes. Pour en revenir aux produits en eux-mêmes, il y a deux gammes différentes, donc les Propomax et les Happy Spray. Moi, ils m'ont proposé d'en choisir un de chaque, de les tester et de vous dire ce que j'en pense. Donc ça tombe à pic, puisque là, à l'intérieur, je vois qu'il y a le Défense. Comme on est en changement de saison, je pense que c'est celui-là que je vais choisir dans les Propomax. Et puis dans les Happy Spray, comme vous voyez, on en a déjà ouvert un chacun avec William parce qu'on n'a pas pu s'en empêcher. Lui, il a testé le Happy Spray à la mauve qui dégage le nez parce qu'il était justement un peu enrhumé. William m'a dit donc celui à la mauve, il pique un peu. Mais ceci dit, j'ai regardé en fait après coup ce qu'ils disent justement à l'arrière au niveau de l'utilisation. Et ils disent que le goût fort et le côté piquant dans la bouche, c'est un gage d'efficacité. Donc c'est tout à fait normal en tout cas. Ah, quelque chose que je vous ai pas mentionné, mais bon, ça se voit très très bien sur tous les emballages. Si je travaille avec Propolis d'Abacharis, c'est aussi parce qu'ils sont super clean, donc ils sont éco-certifiés, biologiques, et il y a pas mal de garanties qui sont mises en place en plus de ça, puisqu'ils font des contrôles d'efficacité et de qualité. L'apiculture, ils disent qu'elle est raisonnée, c'est récolté en dehors des zones polluées pour justement avoir un produit de meilleure qualité. C'est 100% d'origine naturelle, il n'y a pas de colorant, pas de conservateur. Et ce que j'ai appris, et ça je suis super contente parce que c'est justement pour ça que j'accepte de travailler avec des marques, parce qu'on a accès à plus d'informations, c'est voilà, il y a un petit retour là au niveau de l'efficacité biologique prouvée de la propolis. Et donc on parle notamment d'activité antioxydante, d'activité antimicrobienne, d'activité anti-inflammatoire et d'activité immunomodulatrice.
Ici, ils nous disent « La propolis a un rôle de protection dans la ruche. Elle est utilisée par les abeilles comme un véritable désinfectant naturel et elle protège également la ruche contre les agressions biologiques. » Voilà, celui qui m'aidera peut-être à ne pas tomber malade du tout cet automne-hiver. Et ça, c'est plutôt cool. Donc moi, je vais tester les deux produits, donc le Propomax Défense et l'Apispray Citron. Et en complément, de temps en temps, l'Apispray Grenade ou Cresson. Cresson, ça sera pour les jours où je me sens courageuse. Je vous dirai ce que j'en pense, de toute façon. Il vous propose, si vous êtes curieux comme moi, de pouvoir gagner un produit de votre choix. Donc, il suffit de participer en commentaire sous la vidéo. Je vous propose de simplement me dire lequel vous aimeriez tester. Et puis, je tirerai quelqu'un au hasard. Franchement, là, le goût de celui-là est très très bon. Propolis verte et citron. Lynette ? Oh bonjour ! Bon ok, alors, ça, si vous avez une petite bête poilue à la maison, ou à écailles, ou à plumes, ça peut être une bonne chose pour vous remonter le moral. Sinon voilà pourquoi je suis ici, il faut que je récupère tout le linge. Mon outil indispensable pendant les tâches ménagères, pas forcément ça, mais en tout cas, de quoi écouter un podcast. Je le mets toujours directement dans mes oreilles pour pas embêter qui que ce soit, comme ça si jamais il y a quelqu'un à la maison, il n'y a pas de souci. Donc déjà, trois choses pourquoi je fais ces tâches ménagères qui ne sont pas vraiment urgentes, ni pressantes, c'est simplement parce qu'elles me demandent pas beaucoup de volonté. Elles me demandent pas beaucoup de volonté et je sais qu'à partir du moment où ça sera fait, un, je serai plus déprimée en voyant tout le bazar, voilà, qui règne actuellement autour de moi. Deux, j'aurai au moins le sentiment d'avoir fait quelque chose d'utile ce matin. Il est tôt, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai encore bien le temps de faire plein d'autres choses, mais je sais que ça me permettra de bien démarrer la journée. C'est d'ailleurs pour exactement cette raison-là que habituellement, moi, je vous recommande de faire votre lit dès que vous vous levez. Là, en l'occurrence, moi, je l'avais ouvert pour bien aérer, j'avais ouvert les fenêtres et tout. Je vous conseille de faire votre lit habituellement parce que ça vous donne le sentiment d'avoir accompli déjà quelque chose, donc ça met en route en fait. Et puis la troisième raison pour laquelle je le fais, c'est que en même temps, j'en profite pour écouter un podcast ou regarder une vidéo sur YouTube. C'est mon grand truc, c'est mon astuce, voilà, pour faire les tâches ménagères sans que ça soit vraiment trop chiant. C'est pour ça que je vous dis que ça me demande pas beaucoup de volonté en fait. Je sais que je vais écouter un truc sympa ou regarder un truc sympa, donc en fait ça passe beaucoup mieux. Je pense pas hein, que ça aura un impact nécessairement positif sur mon état d'esprit, mais en tout cas ça n'aura plus d'impact négatif. Bon, je sais pas trop quand est-ce qu'on s'est parlé pour la dernière fois. Il me semble que c'était quand je pliais le linge. Et ben, au final, je m'y attendais pas, je pensais que ça aurait juste, voilà, que ça me retirait, disons, un poids des épaules. Mais au final, ça a eu un impact positif puisque ça m'a motivée à installer tout le matériel derrière moi pour tourner ma vidéo bullet journal du mois de mars. La thématique, c'est les petits chats. Voilà. Elle cherche sa place, elle cherche. Oui, tu t'installes, oui, non, peut-être. Et voilà, ça y est. Elle était installée à Marlunette. Bonjour Marlune. Voilà. Donc voilà, je voulais faire une thématique sur les petits chats. J'espère que j'arriverai à leur rendre justice. On n'est vraiment pas très bien éclairé là, mais c'est à cause de la lumière au-dessus que j'utilise pour éclairer mon installation de derrière, voilà. Donc oui, ce n'est pas réellement une table en bois. C'est le moment chez Agaga numéro 2. Oui, mais tu dis joli. Tu choisis juste là où il y a de la lumière pour t'installer. Tu dis câlin. Hein ? Ah bah oui, tu voulais des câlins. Dis donc, tu te montes sur un jour. Très très mignon toi aujourd'hui.
Donc comme je vous l'ai dit, bah là il faut que je tourne une vidéo. En fait j'ai déjà préparé tout ce que je veux faire dedans. Je l'ai fait les jours précédents. Regardez-moi ce magnifique brouillon. La vidéo sera en ligne, hein. C'est mon bullet journal du mois de mars. Vous pouvez la retrouver juste ici. Donc j'ai fait tous mes petits brouillons. Je sais exactement ce qu'il faut que je dessine, où, etc. C'est pour gagner du temps au moment du tournage. Et en fait, cette vidéo-là, ça fait plusieurs jours que je voudrais la tourner, mais je me suis auto-bloquée parce que je me mets trop de pression, je suis trop exigeante envers moi-même. Cette pression-là me stresse. Je sais en plus que je perds du temps. Moins j'ai de temps, moins j'aurai de temps pour dessiner, pour faire le montage de la vidéo. Et plus je perds de temps, et plus je suis stressée, et plus je me bloque davantage. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Donc j'ai décidé pendant que j'étais en train de tout plier que j'allais le faire maintenant, comme ça c'est fait. J'ai essayé de pas réfléchir trop loin, donc ça peut être peut-être une bonne astuce pour vous si vous rencontrez également un blocage, c'est de faire une première étape toute basique. Donc moi ça a été juste de sortir le matériel. Donc ça c'était une première étape facile à faire et maintenant qu'elle est faite en fait j'ai vraiment plus du tout de raison. Mis à part mon angoisse de ne pas faire assez bien. Ça d'ailleurs c'est une astuce que je vous ai déjà partagée en vidéo. J'ai facilité cette action et donc j'ai moins de chances de la repousser. Les conditions sont désormais maximales. Je retrouve de plus en plus ma joie de vivre. Donc tant mieux et puis bah c'est parti. Sur un deuxième jour, je suis vraiment contente parce que hier j'ai bien réussi à avancer donc je me sens déjà nettement mieux qu'avant, ça m'a retiré un poids des épaules, ma vidéo est tournée, j'ai encore pas mal de choses à faire pour cette vidéo, faut que par exemple je dessine des stickers, que je le redessine entièrement sur ma tablette et que je prépare les articles pour la boutique, oui parce que j'ai une boutique, si jamais vous n'étiez pas au courant, hein, ça s'appelle La Boutique de Margot, vous pouvez le retrouver à laboutiquedemargot.fr. Et j'y vends plein de stickers pour bullet journal, agenda, ou même juste si vous voulez décorer, je sais pas moi, votre téléphone, votre ordinateur, ça marche aussi. Je vends aussi directement, entièrement fait en numérique, les pages de mon bullet journal que vous n'avez plus qu'à imprimer si vous voulez l'intégrer dans votre bougeot ou à l'intégrer directement dans un PDF et vous écrivez directement dessus sur votre téléphone, votre ordinateur, etc. Pour aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire dans les petites choses qui me pèsent et que je voudrais retirer de ma liste histoire de me sentir mieux, c'est des rendez-vous à prendre. Voilà, donc c'est un truc tout bête, je pense que vous êtes extrêmement nombreux dans le même cas que moi, à savoir que vous devez prendre un rendez-vous chez le dentiste, ou un rendez-vous pour une prise de sang, ou des séances de kiné, voilà. Donc là, en l'occurrence, moi c'est ce que je dois faire, je dois prendre rendez-vous pour 10 séances de kiné pour mon épaule droite, parce que donc pour ceux qui ont suivi un petit peu mes aventures santé sur Instagram, je me suis à nouveau bloquée la nuque pour la troisième fois en l'espace de 6 mois. Donc là, cette fois, je suis vraiment allée voir le médecin, j'ai fait une radio, enfin voilà, plein de trucs. Les bonnes nouvelles, c'est que au moins c'est pas osseux. A priori c'est en fait musculaire, j'aurais tendance à stocker on va dire tout mon stress, ma nervosité, toutes mes angoisses au niveau des épaules, en particulier de l'épaule droite, vu que je suis droitière en plus ça fait sens parce que je suis souvent le téléphone dans la main droite donc ça me fait plus travailler à droite, mon sac je le porte en bandoulière et il appuie sur mon côté droit, enfin voilà plein de petites choses comme ça qui peuvent jouer, il faut que je prenne rendez-vous pour ces séances de kiné. Et un autre truc tout bête, mais il faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur. J'aime pas particulièrement aller chez le coiffeur parce que comme j'ai les cheveux très longs, ça prend toujours beaucoup de temps et j'ai toujours l'impression de perdre ma vie en fait. La fille pas du tout excessive. Donc, je vais passer tout de suite ces coups de fil pour me retirer ça de l'esprit en fait. C'est juste voilà, pour plus avoir à y penser parce que sinon ça reste dans un coin de ma tête et tous les jours je me dis « Ah punaise, t'as toujours pas pris rendez-vous, faut que tu prennes rendez-vous ». Mais en fait ça me pèse alors que c'est nul quoi, c'est nul. Donc là je vais prendre les 5 prochaines minutes, passer mes petits coups de fil, prendre mes rendez-vous, et ça sera fait, et ça sera déjà cool. Comme vous l'avez vu, j'ai fait le lit ce matin, je me suis déjà préparée, j'ai mis un t-shirt pour me mettre dans le mood, j'adore, en plus il est rose. Et aujourd'hui je sors à midi, je vais déjeuner avec Céline H, mademoiselle Céline H qui vient de passer les 100 000 abonnés sur YouTube.
Félicitations copine. Vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est de l'humour. Elle est très drôle. J'aime tout particulièrement la série à 15 ans, 25 ans et 35 ans. Maintenant que ça s'est fait, j'ai quand même une journée normale de travail à faire avant de retrouver Céline. Et d'ailleurs, si je la retrouve, c'est pas pour rien du tout. C'est pour visiter un lieu pour un éventuel meet-up à deux. Je suis avec Miss Céline H. On vient juste de visiter un lieu où on va accueillir une centaine d'entre vous. Donc quand je dis entre vous, c'est sa communauté et ma communauté. Et les personnes qui sont dans les deux sont prioritaires pour un petit meet-up. Voilà, on va essayer d'animer un petit peu, puis de prendre le temps de discuter avec vous, de répondre à vos questions. La dance de la dance. Je savais pas, c'est ça que j'avais prévu, tu vois. T'as fait de la dance. Moi je fais de la dance, toi tu fais le striptease du coup. Non, moi je fais la barre. Fais la barre. Sinon Céline, oui, dis-moi, toi, quand tu es triste, ouais, démotivée, ouais, à plat, oui, qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, je laisse tout sortir. C'est-à-dire, ben, si je suis triste, je pleure, je me traîne, ouais. Mais exprès. C'est-à-dire, en fait, j'essaie d'atteindre. Je t'ai imaginé chez toi, en boule de pilou-pilou, vraiment genre en mode larve. Ah ouais, et puis alors je me plains et je me complais, mais attention, c'est qu'il y a une vraie volonté. C'est-à-dire que je vais tellement loin, ça peut durer juste une heure comme une journée, mais au moins comme ça, en fait, j'ai tout donné. Voilà. Ouais, c'est fini. C'est fini. Donc quand t'as tout fait, bah après, c'est tout, t'as plus rien à donner. Donc, parce que si tu retiens. Ouais. Si tu retiens, en fait, ça se dilue. Ouais. Ça, c'est encore plus fou. Alors que, et après, tu te regardes faire et tu te trouves tellement ridicule que ça passe encore plus. Ça passe encore plus. Du coup, tu ris, tu rattrapes le rire. On est sur le troisième jour, mon moral est au beau fixe. Pour fixer bien ça dans le temps, j'ai décidé de sortir me promener un petit peu. Donc là, je suis dans un petit parc. On a un magnifique ciel bleu, comme vous pouvez le constater actuellement. Donc, je suis contente. Et puis je vais en profiter un peu et là cet après-midi je retrouve à nouveau Céline pour un tournage cette fois et ce soir je vois Miss Build Up, Émilie donc. On va dîner chez elle avec William et puis j'en profiterai pour lui demander son astuce à elle pour se repumper le moral. Voilà donc on se retrouve du jour pour le lendemain pour tourner une petite vidéo. On se quitte plus? Bah non, mais jamais. D'ailleurs on habite ensemble, les gens ne le savent pas mais on habite ensemble. Bon on est prêtes, enfin on est prêts même d'ailleurs, excuse-moi Louis. Enfin, quoique, après tout, on est deux meufs, moi je m'en fiche de ce qui est grammaticalement correct, on est plus nombreuses. Donc nous sommes prêtes à tourner aujourd'hui. Et en fait, j'ai le sentiment de m'être fait un petit peu avoir, non. Puisque nous avons eu une idée hier, pendant qu'on visitait le lieu du meet-up, et j'ai l'impression que Céline a décidé de corser le tout. Cette vidéo, je sais quand est-ce qu'elle sortira. Elle sortira le deuxième vendredi de mars. Voilà, donc rendez-vous à partir du deuxième vendredi de mars à 17h30 pour voir le résultat, à savoir à quel point je me suis fait avoir. Le tournage est fini. Je m'attendais pas à ça. J'ai la flemme, j'ai vraiment pas envie de travailler. Pas du tout. Mais c'est comme ça, j'ai pas le choix de. Sinon, tout. On va arrêter de bouffer. Bon bah écoutez, ça rentre pile poil dans la thématique de ma vidéo de cette semaine. Bubu, aurais-tu une astuce pour te remotiver quand tu as la flemme? Sortir le chien, c'est vrai. Je vais faire à la dernière minute. Ah ouais, faire à la dernière minute, ça t'aide? Oui, parce que t'as la deadline en fait. C'est ça. Ouais, le pouvoir de la deadline, c'est comme ça que j'appelle ça moi. C'est pas bien le pouvoir de la deadline. Bah parce que tu peux vraiment être stressé quoi. Tu peux vraiment être stressé si tu fais tout le temps ça. Faut se dire que c'est pas une contrainte. Donc faut pas le vivre comme une contrainte. Non, faut le voir de manière positive. Donc là par exemple, tu t'apprêtes à tourner ta nouvelle vidéo au Bullet Journal. Voilà, et en fait je vais m'amuser, parce que le Bullet Journal c'est un plaisir. Et puis c'est cool de dessiner. Oui. Et regardez, elle a la même technique que moi. Elle aussi, elle met un fond, je vous ai montré. Moi je mets le même genre de fond, sauf que moi c'est pas du vrai. Moi c'est juste du plastique. Voilà, chacune sa technique. C'est la débrouille. J'ai la flemme quand même. Mais non, ça va le faire. En plus, toi, tu vas dessiner ici, et moi, je vais dessiner là. Ça va être long. Ouais, mais pour moi aussi, donc c'est pas grave. Donc une astuce supplémentaire qu'on pourrait donner pour se motiver quand on a la flemme, ça pourrait être aussi de bosser à plusieurs.
Oui. Mais seulement si vous savez que les autres personnes vont réellement travailler. Parce que sinon, c'est juste le meilleur moyen pour papoter pendant 4 heures au lieu de travailler. Voilà. Et puis, moi, je vais dessiner, tout comme Bubu. Tu dessines en papier, là? Ouais, je fais mon bujo. Regarde en quoi je fais ton bujo du mois de mars. Ouais. Regarde, regarde, regarde. Ah, on a le même. La mise en place complète. On a exactement le même. C'est toi qui me l'as offert. Oui, je sais. Et tu vas voir, il est chouette. Et moi, je vais le faire en numérique, là. Je numérise, je refais tout en digital. Donc dessin, et puis ensuite écriture, puisque je suis toujours dans mon Nanorimo. Je sais même plus si je vous en ai parlé ou pas. Oui, je dis à la française, Nanorimo. Je suis toujours en plein Nanorimo, je sais même pas si j'en ai parlé ou pas dans ce vlog. Dans le doute. Le Nanorimo, qu'est-ce que c'est? C'est un défi qui a normalement lieu au mois de novembre, tous les ans, et qui consiste à écrire 50 000 mots en l'espace de 30 jours, donc en l'espace du mois de novembre. Nous sommes au mois de février, mais j'essaye quand même d'écrire 50 000 mots. Très très chaud, 50 000 mots en 30 jours, c'est du sport. Coucou, on est le dernier jour de ce weekly vlog. Aujourd'hui, je vais tout simplement me reposer pour pouvoir recharger mes batteries. Ça, c'est une bonne résolution que j'ai prise, ne pas faire la même erreur qu'en fin d'année dernière où j'ai enchaîné je ne sais pas combien de semaines sans jour de repos. Donc voilà, là, enfin, ceci dit, c'était pas un vrai jour de repos puisque j'ai travaillé ce matin jusqu'à 10h30, on est dimanche, donc j'ai sorti une nouvelle vidéo, il fallait que je finisse la miniature, la barre d'infos, renvoyer vers des liens, enfin voilà, j'avais plein de choses à trouver et à récupérer à droite à gauche, ce qui m'a pris un petit peu de temps quand même. Mais ceci dit, je suis vraiment super contente d'avoir fait cette vidéo. Dans les astuces que j'ai mises en place, celle qui a le mieux fonctionné sur moi, c'était de faire le truc qui m'angoissait le plus, que j'arrêtais pas de repousser. Parce qu'une fois que ça a été mis derrière moi, bah, je me suis sentie vraiment beaucoup plus légère. Ah, et puis aussi de me préparer d'office tous les matins. Quoi qu'il arrive, même si je reste à la maison toute la journée. Et je trouve que déjà ça fait la différence, moi je me sens prête à attaquer ma journée. Alors j'ai vraiment pas l'habitude de montrer comme ça, mais en même temps je pense que c'est pas plus mal que pour une fois je ne sois pas complètement joyeuse, motivée, tout ce que vous voulez. C'est important aussi, je pense, de vous montrer quand ça ne va pas forcément, et puis de vous montrer que ce n'est pas définitif. Donc voilà, je ne suis pas parfaite, mais je me sens bien mieux, et je pense que ça doit même être peut-être libérateur pour certains qui se disaient mais cette fille, tout va toujours bien dans sa vie. Ça m'a vraiment aidé de faire ce vlog, parce que de devoir filmer régulièrement, ça m'a encore plus poussée à faire les choses correctement et à me donner à fond. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur, pas seulement pour avoir regardé la vidéo, mais aussi pour m'avoir motivée. Donc peut-être une astuce supplémentaire que vous pourriez intégrer, qui correspond en fait à cet équivalent pour moi, c'est de trouver quelqu'un qui va par exemple vous appeler tous les jours pour savoir ce que vous avez mis en place, ce que vous avez fait. Voilà, je pense que ça peut aider d'avoir quelqu'un en fait qui n'est pas là pour vous remotiver, mais qui est là pour vous mettre une espèce de deadline où vous savez que tous les jours, il faut que vous ayez quelque chose à lui dire de positif. La conclusion de cette histoire, c'est que si en ce moment vous êtes à plat, que vous êtes démotivé, que vous êtes triste, bah ça va s'arranger. Prenez soin de vous, vous le méritez vraiment. Comme Céline et Build Up, si vous avez des astuces, des techniques pour vous rebooster, n'hésitez pas à les partager avec moi et avec le reste des personnes qui regardent cette vidéo en les laissant en commentaire. Moi je suis toujours preneuse, hein. Je reviens comme prévu au début de cette vidéo pour vous faire un petit retour sur la cure que j'effectue depuis déjà maintenant 10 jours. Je vous l'ai déjà dit, mais donc au quotidien, moi je prends lapis spray citron, qui est donc un spray à pulvériser sous la langue. C'est vraiment mon préféré au niveau du goût, impeccable, y a pas de souci. Il est pratique à transporter aussi, je le mets juste dans mon sac et puis je l'ai toujours avec moi. Pour l'autre, c'est le Propomax Défense, alors je suis toujours dans ma cure, donc je peux pas encore vous faire un retour. Quand je l'aurai fini, je vous en ferai un sur les réseaux, y a pas de souci. Ce que je peux par contre déjà vous dire, c'est que, en tout cas pendant ce test, je n'ai pas du tout été malade, pas même un tout petit rhume, rien. Donc c'est déjà ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vous m'avez motivée, j'espère que je vous ai motivée aussi. Si jamais vous avez envie de voir d'autres vidéos du style, bah, vous savez ce que vous avez à faire, hein. Laissez-moi un petit pouce déjà pour me le faire comprendre. Et puis abonnez-vous, et moi je vous dis à très très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, motivez-vous.
un petit peu comme moi ces derniers temps. Ça fait du bien !